Kokenshin, bonsoir pour nous toutes, quel que soit côté nous y est à 4e édition Fenêtre qui tire la rentrée la CAO pour les capables de porter pour bon gens information. Mais avant nous aller plus loin, quittez nous dire quelques points qui pourraient le faire essentiel jeudi à dans le journal là. Jeudi 27 septembre 2018, l'an marqué journée mondiale touriste a célébré année ça en baptême le tourisme et la transformation numérique. Dans occasion ça, département patrimoine et tourisme l'an ira Isers organisé une journée activité culturelle qui gagne conférence débat exposition à prestation artistique. Mercredi de la culture, t'es accueilli troupe Fou Disait pour nouveau soirée qui fête mercredi 26 septembre. C'était occasion pour troupe ça, by prestation et puis présenté par coup institutionnel. Une jeune chanteuse qui relève Ketia Isaac a été invité tout pour assurer partie musicale activité. C'est point ça et avec diverses autres qui prennent fait essentiel jeudi à notre journal là. Restez branchés, n'a tenu après pause là pour développement. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a démarré avec journal là pour nous faire connaître département patrimoine et tourisme dans Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales ISERS organisé jeudi 27 septembre une journée activité culturelle. Agenda journée ont été déroulé sorti 10h matin pour arriver 8h non à souhait. Initiative ça c'est pour célébrer journée mondiale tourisme là. Thème qui te kembe pour journée ça, c'est le tourisme et la transformation numérique. Activité a te commencé depuis mercredi à qui on visite guidée dans le musée OG Fonbrun, Mont-Oui. Michel-Ange Dalcé a qu'à Dieu donner l'idée à présenter nous yon extrait. Danger qui gagne, nous connaissons que dans les Caraïbes ou bien dans le monde entier, le tourisme c'est une activité, qui économiquement lui rapporte. Donc en Haïti, là nous arrivons, nous pas vraiment, en tant qu'étudiants en patrimoine et tourisme, là nous arrivons sur le site, côté l'on a fait touriste local, etc. Donc, population locale, non seulement yo pas vraiment gain importance, yo pas vraiment kon importance activité ça parce que l'arrivée sur site ou jeune site ça yo vandalisé. Donc là c'est un premier aspect parce que si nous pas sauvegarder, si nous pas conserver et nous pas protéger site, donc là à qui ça nous va faire tourisme, à qui ça n'a fait tourisme. Donc qui touriste a voulu venir visiter yo site qui dégradé. Donc c'est là importance activité. Autorité qui concerne nous mêmes étudiants dans patrimoine et tourisme dans UEH là. Donc nous là, donc nous au service. Nous pas besoin de faire pas mettre nous sous côté parce que nous mêmes nous là, nous fait étude là, c'est pas juste pour nous rester sous béton hein, mais faut que nous mal, faut que nous marcher, faut que nous faire inventaire, faut que nous mettre connaissance nous dans service ça nous apprend là. Premièrement, nous voulons faire un message à passer. Nous voulons que tout le monde connaisse que hier, il y a un département qui étudie patrimoine et tourisme, qui baille patrimoine et tourisme. Et puis nous voulons tout à partir de là, parce que certes, nous voulons intégrer nous dans le milieu. Nous voulons baille service nous. Donc, l'activité a une importance vraiment capitale pour nous et nous attendons que la pote succès, la pote fou. Débat qui fait dans l'occasion journée mondiale à tourisme là, dans l'Isère, c'était plus centré sur l'intérêt technologie par rapport à le développement touristique dans le pays. Plusieurs grands intellectuels, tant que Mozart Ferron, Max Guibert Liron, et Duverso John, ont intervenu dans le cadre de la conférence. Max Guibert Liron, secrétaire général observatoire numérique en Haïti, parle sous disposition autorité concernée doué prend dans ce qui gagne à ouais avec éducation jeune sous comment pour yo protéger yon patrimoine touristique. Yon extrait dans micro Joanne Jacquet avec Dieudonné Lidier. De plus en plus, organisations internationales, société civile là, même le gouvernement yo mette accent sur
transformation numérique là comme un vecteur de développement. Vecteur de développement, c'est pas seulement un aspect, c'est pas transformation numérique, il n'est pas virtuel, il n'est pas arrêté des ordinateurs ou bien des usages que nous faisons de numérique là chaque jour dans les outils que nous avons utilisés. Mais l'on utilise la bonne escient, l'on applique à l'éducation, l'on applique à l'économie, l'on applique surtout au tourisme. Donc, il y a vraiment un potentiel économique pour capable développer collectivité, pour capable créer conditions pour monde qui fait business et tourisme lui-même libéral développer et conséquemment. Nous avons des rapports privilégiés avec les établissements académiques. Eh bien, c'est peut-être ça nous-mêmes nous là aujourd'hui pour nous capable répondre à l'invitation ça et justement montrer étudiants, montrer toute population qui a regardé que transformation numérique là ça relé péjorativement technologie yo, usage numérique yo, yo pas un bagage qui était purement en l'air jan moun yo di a qui planait au-dessus et puis qui pas atterri, mais tout pays qu'on a commencé ouais que c'est un véritable levier de développement économique pour un développement durable. C'est pas une question de seulement faire forum, faire conférence, faire atelier et puis poster des photos sur Twitter, sur Facebook, faire Shelby et puis pour penser que ou son influenceur ou son leader, alors faut tous ces pantalons pour monter sur terrain pour dire qu'on problème là, faut que nous éduquer population rurale, faut que nous faisons jeunes comprendre que innovation est supposé passer par eux-mêmes, même gens pile l'autre pays fait. L'école Wonderful Institute réalisé première édition foire gastro artisanale jeudi 27 septembre blanc dans local li Delma 35. Activité ça qui fait en baptême ça fait touriste ces affaires Wonderful cadré avec journée mondiale touriste là dans l'idée pour faire promotion c'était si là qui important en pile pour pays. C'était occasion tout pour étudiants anciens coup nouveau dans l'école là t'es exposé produit au fait qu'il y ait domaine y a étudié. Là ben vite suivre un reportage signé Nixon Daverman avec l'idée Dieudonné. Pour première édition ça qui visait faire promotion secteur touriste là, chaque classe dans espace l'école là t'est misé pour présenter spécificité qui dans différents départements dans pays a. L'Ouest, Nord-Est, Nord-Ouest, Nip, Atibonite, c'est parmi les départements étudiants saillotés orientés travail, exposition. Yo. Puis loin, dans l'espace rentré l'école, là, divers étudiants anciens ou nouveaux qui ont notion dans le domaine restauration, artisanal, fait promotion pour produits locaux. Pain patate, manger cuite, crémasse, c'est quelques parmi produits élèves saillotés exposés. Pour une première tentative, c'est très bien passé parce que nous ne pouvons pas attendre à public ça. Nous vraiment satisfaits et parce que nous devons mettre en valeur, parce que jeudi en c'est journée touristique, journée mondiale touristique, donc nous devons mettre en valeur et œuvre locale. En pile l'école et mettre hôtel et tout ça, nous avons fait comme si pour faire le bon, comme si pour élever, comme si pour bien apprendre ça pendant. Parce que hôtel et tout sont belles métiers, moi vraiment, je me suis dit, non, boum. Nous ne pouvons pas apprendre seulement tout pour notre travail dans l'hôtel. Il y a un pile de monde qui connaît que les apprendre hôtel et touristes, je pensais que c'est comme si on va laver, comme si clean. Et pas ça seulement, on peut travailler avec tout. Secteur touriste, c'est un pilier clé pour contribuer dans le développement de pays. PDG l'école, Jean-Rico Félix, prend pour exemple pays voisin, République Dominicaine, qui fait gouverner avec sa filière sa représentée pour lui. Dans ce sens, il est important pour l'autorité pays à travailler ensemble pour mettre en valeur filière ça. Ça cap aider pays à faire progrès et puis faciliter les jeunes qui évoluent dans le secteur, jouer un encadrement nécessaire. Puis l'étudiant qui sorti et presque tout côté dans tout ce qui est de Folio, qui vient fêter la journée mondiale du tourisme. Et nous et profiter de l'occasion pour nous dire que la question du tourisme, c'est un secteur. Et quel est aujourd'hui, si à jamais nous avons pensé, n'a pensé pays, si nous avons pensé développement, si nous avons pensé on demain meilleur, question touriste, pas une plaisanterie là-dedans, mes amis. L'État nous fait premier pas en tant que l'école et formation à jeunes haïtiens. Le secteur touristique là, ce n'est pas une simple histoire. Pour nous bailler ça plus importance, en nous avancer plus sur le secteur. Parce que la République dominicaine qui collait avec nous là, c'est un secteur qui baille plus entrée et chiffre d'affaires li énorme en République dominicaine. Première édition foire gastro artisanale Wonderful Institute réalisée dans le cadre de la journée mondiale touriste là.
C'est une réussite pour participants qui croient apprentissage dans le secteur pour fouiller plusieurs opportunités. Moment arrivé pour nous observer deuxième pause, nous été branché. Nous tourner après pause là pour plus d'informations. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité et attention. Nous allons poursuivre avec information pour une fois qu'on est. Mercredi 26 septembre, l'équipe Mercredi de la culture lente et prend rendez-vous avec Fan Lio qui toujours fait déplacement pour venir supporter et puis apprécier discussion intellectuelle avec prestation artistique. Yo toujours organisé chaque mercredi. Pour soirée ça, Trofou disait, c'était invité spécial qui était venu parler sous parcours institutionnel et puis bail à performance. Une jeune chanteuse qui c'est Ketia Isaac est invitée tout dans soirée ça pour être capable d'assurer partie musicale là. N'a pas invité au suivi un reportage de Jasmine Fabiola Dumerville avec Rémi Goudji. Les tournées ont habitude pour un pile monde qui remet activité culturelle. Aïe mercredi à 8h à local Limas, rendez-vous à te casser avec jeune Kougan Moun dans une ambiance côté débat, poésie, musique, teta et banda. Chelson Hermosa conte comédien tout fou disait qui gagne 17 l'année depuis qu'il existait dans le paysage culturel là. Te baille plaisir compte dans rendez-vous ça. Il te parle tout sous parcours institutionnel tout là à quelques projets li gagne. Vous êtes comme activité nous gagne après faire spectacle théâtre pour nous jouer dans le festival 4 chemins ou bien pour nous jouer dans de l'autre espace ou bien de l'autre festival. Nous gagne un festival compte nous-mêmes. Et festival compte ça li pral sous 10 ans li. Et l'idée qui fait nous te mettre festival compte ça sous pied et qui pral faire moi-même compteur parce que faut moi dit histoire pas débuter dans compte mais le début avec poésie. Ça fait 10 ans de cela, Festival Contelan, les sous-pieds. Nous gagnons deux partenariats avec Guadeloupe, Martinique, la France. Et il y a des échanges qui font entre nous-mêmes avec Mounsaïo côté. Nous voyons compteurs haïtiens à jouer pour eux, nous-mêmes, nous voyons compteurs étrangers venir jouer pour nous. Et dans le rapport nous gagnons avec Guadeloupe, par exemple, année ça, pour mois de décembre, du 6 au 7, moi-même, je vais représenter Haïti, Guadeloupe. Soirée ça qui t'a continué avec jeune chanteuse qui dit à Isarac qui t'a interprété plusieurs morceaux de musique populaire parmi eux, moi pas jamais oublié chéri Rodrigue Milien composé. Pour jeune artiste là, encouragement et appréciation bon côté public là, c'est un moyen qui plus motivé pour arriver à concrétiser rêve pour le vigne artiste qui a un gros renommé. Dégager un sentiment de fierté parce que moi j'ai une opportunité pour moi faire mon vivre avec vocal moi pour me faire mon sentir que yo bien par rapport avec ça que m'a chanté. Donc c'est une grande opportunité pour moi et me sentir fier de ça. Donc carrière moi commencé à chanter depuis 7 ans et puis moi j'ai commencé à chanter dans l'église et puis à chanter dans l'autre programme. Moi j'ai venu camper parce que pour que vraiment joindre encadrement, pour que joindre encouragement et beaucoup de famille, ni beaucoup de amis. Donc nous t'es venu camper. Après ça, nous t'es venu faire une révision avec la musique encore parce que c'est destin nous. Donc nous venons chanter et chanter encore pour nous qu'à plus connaître, faire monde connaître nous et pour nous plus connaître monde tout qui entoure nous et pour nous faire plaisir avec quoi nous. N'a pas rappelé mercredi de la culture a continué faire promotion pour toute jeune artiste qui a évolué dans le paysage culturel là. Depuis quelque temps, yon humoriste qui pote nom Romney Kajuste utilise réseaux sociaux pour produire sketch comique. Comédien ça qui gen non jouet li Kajo bay tête l'émission pour offrir public réseaux sociaux possibilité pour apprécier façon comique li habillé et puis présenter constat fait sous évolution société. D'après Kajo, expérience ça bénéfique pour lui à cause li représenter thérapie personnelle. Il fait quoi tout travail li a profitable pour réseaux sociaux. N'a pas vite suivre. Il y a un public qui est différent d'un paquet d'autres monde. Yo comprend philosophie pas maintenant. Philosophie Kajo c'est que bêtise valade. M'a jamais perdu identité pour me faire hit sur Facebook jamais.
sur les réseaux sociaux en général. Bêtise va la donne, Timoun la donne, et comme ça, moi-même, je concevoir faire mon ria, sans que je ne dénaturer, sans que je ne renier les gens que moi moi hier, sans que Kajo ne trahir les gens qui sont journalistes, les gens qui connaissent qui sont journalistes sérieux. Moi, je joins un paquet de gens que je vais échanger juste par rapport à ça, et ça te fait mon pile plaisir. Moi, je suis une discipline de vie. Depuis que je connais que je fais attention, il faut me gérer la tête moi. Vin gon l'autre jambe vive. Qui jambe vive? Moi pas d'accord, personne fait me fâcher. Dans la partie qui est content, n'est pas monde qui rentre. Mais dans la partie fâché, m'a pas monde doit entrer là-dedans. Parce que son gros privilège que bah, moun, pour que moun sa décide jeudi à faut crier, demain si devait faut fâcher. Je dis non. Ça m'a pas personne doit là-dedans. Ça fait, même j'ai confoué qu'on ça me servit. Des bons moun trop chaud pour moi, des bons moun chaud moi, m'baisse volume. M'baisse volume tant qu'on fou. J'en ai dit que je ne suis pas un peu plus fort. Je ne suis pas un peu plus fort. Je ne baisse le volume complètement. Je comprends le principe. Je gagne 5 minutes pour me fâcher par jour. Là, pile, oui. Je descends à 2 minutes. Après ça, pour m'éliminer net. Mais pour le moment, je gagne 5 minutes fâché. Donc, pour 24 heures de temps, je gagne 5 minutes côté me fâché. Pendant 5 minutes, ça, c'est une mauvaise chance pour vous, même qui est dans la ria. Mon laka, madame petite, je vais me fâcher pour 3 minutes. Je vais être 2 minutes pour vous dans la ria. Je suis allé à la machine, un chauffeur machine qui sortit pour entrer sous moi. Et puis, quand il y a pour monter sous moi, il dit mon parole, je vais répondre. Et puis, je garde, je vais me faire un temps de 2 minutes seulement. Et pour me quitter pour pas qu'on travaille, je pas le bon problème. Qui va faire une machine qui est en minute. Ou pas trop, qui est en minute pour mon arrière. Niska Gaout, fête 27 septembre. C'est un artiste haïtien qui toujours satisfait public dans différents morceaux à collaboration. Plusieurs artistes sous marché musical. C'est une rare artiste femme qui n'a tendance à rap là en Haïti. Jeudi à l'équipe culturelle Télévision Nationale d'Haïti a souhaité la bonne fête à Kion Papier de Ketia Isaac. Niska Gaout fête Miami, mais il grandit à Haïti dans la zone Pétionville. C'est une chanteuse, graphiste, mannequin. Il remet couti et mode. Il plus adopté le rap pour le faire passer sa licence. À 13 ans, Niska écrit le premier texte rap qui titré Girl for Life. À 17 ans, il réalise le premier texte pressing. Il monte sur scène première fois dans l'année 2009 avec Tipi O dans Moka Café. Cause problème familial, il parti États-Unis pour finir études secondaires. Il recevoir diplôme dans art graphiste et marketing. Niska a dirigé propre compagnie, qui est une factory qui travaille avec artisans qui fait activité montage pelle. Niska Gaout produit une douzaine de musiques créoles ou anglais, en collaboration avec plusieurs autres artistes haïtiens, qui populaient un coup isolant, Bookman Experience, pour ne citer ça seulement. Niska, comme pifo artiste espéré, travaille pour satisfaire le public là et porter plus de nouveautés sur le marché musical là. Dernier point avant de mettre bout dans le journal là, Dieuzidore Samuel qui gagne nom artiste li, Samo Bellatis à Romel Alexis, c'est nom de jeune artiste qui était défilé pour bay performance dans soirée Plim pou la côté plusieurs autres gros noms dans musique là tant que Tamara Suffren à Easy M. Soirée si là fait chaque mercredi dans parc à Midoré, toujours dans l'idée pour découvrir et puis encadrer nouveaux talents yo. Quel artiste là profiter par raison qui fait lui choisir participer dans l'activité ça yo. Moi c'est un artiste chrétien qui évolue en dans l'église. Cela veut dire que c'est depuis longtemps depuis que petit m'a évolué en dans l'église. Constatant que pas un artiste évangélique a fait impact socialement, juste moi-même décider pour chemin ça et prêcher des musiques qui pas essentiellement parler de bon Dieu mais tout ça qu'a dit là-dedans c'est le bien-être, c'est la c'est kembe valeur, kembe dignité, kembe personnalité à l'école pas boire clairin, pas boire tafia et puis prêcher contre ces artistes là qui bon texte des textes que si monde pas attendre et puis des médias prend plaisir pour appeler dépasser, c'est ça surtout que nous pas voulons essayer de prêcher contre en dans texte nous. C'est avec un sentiment de satisfaction que moi déjoins couloir ça je dis à vous capable faire passer message moi. Soirée Plim pou la poursuivre toujours même objectif là. Chaque mercredi by chance avec jeune artiste qui voulait mettre tête yo dehors. Soirée Plim pou le billet si son rendez-vous à ne pas manquer. Sous aucun prétexte je dis à vous. Soirée Plim pou le billet si son rendez-vous à ne pas manquer. Pour la dernière fois, soirée Plim pou le billet si son rendez-vous à ne pas manquer.
C'est là, amis téléspectateurs, nous mettons bout à ce journal pour jeudi. Mais avant de nous aller, quittez nous rappeler à quel point nous avons développé pour vous. Jeudi 27 septembre 2018, l'an marqué Journée mondiale touriste a célébré année ça en baptême le tourisme et la transformation numérique. Dans occasion ça, département patrimoine et tourisme l'an ira Isers organisé une journée activité culturelle qui gagne conférence débat, exposition à prestation artistique. Mercredi de la culture, t'es accueilli troupe Fou Disait pour nouveau soirée qui fête mercredi 26 septembre. C'était occasion pour troupe ça, by prestation et puis présenté par coup institutionnel. Une jeune chanteuse qui relève Ketia Isaac a été invitée tout pour assurer partie musicale activité. C'est point ça avec plaisir en tant qu'on qui t'a fait essentiel jeudi à notre journal là. Merci parce que toujours suivent nous. Merci à l'équipe culturelle et production qui toujours permettent édition du lundi au vendredi, toujours entre la caillou. Restez branché Télévision Nationale d'Haïti pour reste programmation. Prochain rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bye bye tout le monde.